Castaldi et Delormeau en direct sur TPMP. Les chroniqueurs de TPMP ont souvent des échanges animés, mais parfois, cela va plus loin et des tensions se créent entre eux. C'est ce qui s'est passé lors de l'émission du mercredi 29 mars, où Benjamin Castaldi et Mathieu Delormeau se sont vivement disputés en direct. Le sujet de cette altercation? Une colocation qui aurait mal tourné. C'est Mathieu Delormeau qui a lancé les hostilités en reprochant à Benjamin Castaldi de ne pas l'avoir invité à son anniversaire et de préférer passer du temps avec son banquier. Benjamin Castaldi a alors riposté en affirmant que Mathieu Delormeau ne lui parlait plus depuis qu'il n'avait plus d'argent. Cette accusation a visiblement touché Mathieu Delormeau qui a déclaré que leur ancienne colocation était d'une vulgarité sans nom et qu'elle ressemblait à Benjamin Castaldi. Cette réplique a fait sortir Benjamin Castaldi de ses gonds, qui n'a pas hésité à répliquer. Benjamin Castaldi a également reproché à Mathieu Delormeau d'avoir profité de son hospitalité sans rien offrir en retour. Castaldi a déclaré sur un ton ironique, « Tu étais bien content d'être dedans, non ?» Selon Castaldi, Delormeau a mangé dans son frigo, utilisé ses voitures et même dormi dans son lit sans jamais offrir le moindre cadeau ou compensation. Delormeau a tenté de se défendre en expliquant que l'appartement de Castaldi ne lui plaisait pas. En particulier la salle de bain qui était équipée d'un jacuzzi avec des lumières changeantes et des bulles de partout. Il a ajouté qu'il ne se sentait pas à l'aise dans cet environnement. La dispute a été rapidement résolue par Cyril Hanouna, qui a pris parti pour Castaldi. Son ami de longue date qui fête son anniversaire et a tenté de calmer les esprits en remerciant les deux chroniqueurs pour leur participation à l'émission. Les téléspectateurs seront donc peut-être amenés à découvrir de nouveaux épisodes de cette dispute entre les deux animateurs. En attendant, les fans de TPMP pourront toujours suivre les prochaines émissions pour voir si la tension est retombée entre les deux chroniqueurs. Après cette altercation entre Benjamin Castaldi et Mathieu Delormeau, les téléspectateurs ont été surpris de voir ce dernier disparaître de l'émission TPMP. Ce 29 mercredi mars, Mathieu Delormeau a mystérieusement disparu de l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, pendant la pause publicitaire. Laissant les téléspectateurs se demander ce qui avait pu arriver aux chroniqueurs. De retour à l'antenne, Cyril Hanouna a expliqué que Delormeau avait dû quitter l'émission en urgence en raison d'un petit souci familial. Les fans de l'émission se sont immédiatement inquiétés pour Mathieu Delormeau, qui a été un membre régulier de l'équipe de TPMP depuis plusieurs années. Le présentateur de TPMP, Cyril Hanouna, a confirmé plus tard que Delormeau était en sécurité et qu'il était en train de s'occuper de sa situation familiale. Hanouna a également souligné que Delormeau le tenait au courant de la situation et que l'équipe de TPMP était en train de lui apporter tout le soutien nécessaire.